Ce monsieur que vous voyez là, c'est mon beau. Il était malade, il a un cancer de foie, il était au CHU. Les docteurs ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Maintenant, la dame qui est là, c'est ma belle. Elle allait me dire ça à la maison. Il dit, moi j'ai un papa, il a 6 pimes. Ça va être papa Fleurien. Voici les trucs. J'avais un peu, sans le Jésus, un peu à la maison. Le jour où les docteurs ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, j'ai pris le sang de Jésus et donné à ma belle. Elle allait donner au monsieur. C'est vrai, c'est que tu dis là. Ouais. J'ai fait 2 jours de coma d'abord à l'hôpital. Je suis arrivé mardi à l'hôpital. Le lendemain, jeudi, vendredi, je ne sais pas. Donc, le samedi matin, j'ai commencé à me réveiller. Mais, ils n'avaient pas espoir. Parce que, de toute façon, j'étais affecté. Ils n'avaient pas espoir. En attendant d'avoir coma, il y a ma maman qui avait pris des médicaments avec elle pour faire ce mot. Moi, je ne savais pas. Quel médicament? Sang de Jésus. Voilà. Donc, le samedi, j'ai commencé à me réveiller, mais je ne parlais pas. Donc, samedi soir, j'arrivais à regarder, mais quand le docteur vient me demander, ma maman, c'est qui j'arrive. Quand on peut voir les gens qui sont autour de la salle, c'est un dimanche, je commence à connaître les gens. Dimanche soir, je commence à voir la parole un peu. Je commence à voir la parole un peu. Mais eux-mêmes, ils n'avaient pas espoir. Ils n'avaient pas espoir. Maintenant, ils ont fait jusqu'à mercredi. Baba, c'est ça, non? Ils ont fait plus de sang. Tous les docteurs sont venus en cardiologie. Ils nous ont demandé de faire plus de sang. Quand ils ont fait plus de sang là, bon, ils se trouvaient dans la salle. Quand les médecins sont revenus en visite, tous les cardiologues, les directeurs, tous les grands médecins là sont venus pour leur visite de privé de tous les matins. Ils ont pris mon dossier de sang là. Ils ont dit que, au contraire, pour moi qui avais baissé, a augmenté. Wow. Franchement, le Seigneur. Dans tous les malades qui sont là, c'est quoi mon groupe sanguin, la cardiologie, je pense à bien. Et même, ils n'ont rien compris. Ils se sont appelés, même, ils sont allés dans leur grand bureau là-bas, ils sont allés se voir à Jésus. Ils sont venus, ils disent, c'est Privali, c'est toi là. Bon, ce qui est sûr, comme c'est cardiologie, en tout cas, tes résultats sont bons. Hein? Il faut progressivement que tu te soignes. Donc, on va te libérer à partir de cet après-midi. Puis tu vas partir, et puis le soir, mardi, tu vas venir le mardi qui vient là. Il est venu faire visite à toi. Et quand elle est à la selle, qu'est-ce qu'elle a fait sortir? Bon, quand elle est à la selle, ma belle-fille l'a fait sortir des trucs longs, longs, dirait vers des terres. Plus long même que vers des terres. Maintenant, après, derrière, là, c'était la boue, puis c'était noir. Et ça, il l'a fait sortir. Comment est-ce que tu as fait la couche? Comment est-ce que ça va? Aujourd'hui, ça va mieux. Ça va mieux. Mais vraiment, j'ai besoin de l'hypothèse. Parce que le cancer, je le sens un peu toujours. Je suis sorti pour le temps. Je vais regagner le temps. Je vois le temps. Et soirée, papa.